In today's celebration, our main star attraction is my classmates and all students, so I welcome them and our parents also. Our journey as students has been very exciting, and our educators always put their best efforts to give and help our showcasing the hidden qualities of each and every student. Moi et ma chère camarade Nima Kami avons préparé un montage vidéo sous le titre de la lecture et l'humanité. Je vous invite à le regarder. Merci. Maintenant, nous savons sincèrement que ces versets coraniques servent à nous informer que la lecture est une noble chose que bon Dieu nous a ordonné de faire à travers son prophète Mohammed. La lecture est exactement désignée une activité immatérielle dont nous avons besoin que d'un livre et qui vise à donner l'impression que nous voyageons dans un autre monde dès que nous débutons à l'exercer. Pour moi, la lecture est une vraie et splendide vie où il faut toujours et vraiment affronter tous les défis. Pour moi, la lecture est un grand soulagement. Merci. On peut le voir ici, nous avons la première de couverture qui montre la collection, le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre et l'édition. Nous remarquons tout de suite la couleur dorée dominante sur la première de couverture et le drapeau de pirate. Sur la quatrième de couverture, on retrouve aussi la collection, le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, un petit résumé, un code bas en bas à droite et l'édition. Alors, dans la première de couverture, on a le nom de l'auteur, celui du roman et l'édition. Et on a une illustration qui représente une fille. Ce livre est apparu en 1849 de collection La vie en rose d'édition Gallimard. La situation finale est que Madame Aubusson récupère ses perles et cette affaire est rajoutée à la gloire de Monsieur Poirot. Merci de votre attention. Hé hey vous, venez là, je voudrais vous parler immédiatement. Mais que va celui-là maintenant? Hé hey toi, qu'est-ce qu'il y a? J'étais en train de chercher ma batterie. Et soudain, tu commences à surgir comme un lion. Qu'est-ce que tu as? Et toi, monsieur l'ordinateur, sois un peu éduqué et respecte ceux qui sont plus âgés que toi. Mais oh mon Dieu, tu es toujours comme ça. Tu n'arrêtes pas de me déranger. Vraiment, tu dois disparaître et nous laisser la place. T'as pas vu que t'as vieilli? Je suis la plus grande solution de la nuit. Je stimule le cerveau, j'améliore les connaissances. Et en plus, je suis le meilleur ami de l'homme. Mais qu'est-ce que tu te crois, toi? Je suis le Facebook. Je permets de réduire les distances entre les gens, même s'ils sont très loin. Et moi, je suis le WhatsApp. Parmi mes avantages, je permets de faciliter la communication entre les gens. Bonjour, je suis le cousin du livre, le journal. C'est vrai, vous avez des avantages, mais vos inconvénients sont nombreux. C'est vrai, vous réduisez les distances, mais vous êtes un vrai danger pour l'humanité. C'est vrai que tu es le plus vieux et le plus ancien, mais on a déduit que tu es le mieux. Cher professeur, aujourd'hui, je dois vous remercier. Merci de m'avoir donné de votre temps. Et merci de m'avoir comblé de votre affection. Merci de m'avoir appris à lire. Merci de m'avoir appris à écrire. Merci de m'avoir appris à agir. Je vous dois cette confiance en moi. Vos actions et réactions étaient des exemples pour moi. Là où je serai, je penserai à vous. Votre aimable visage sera à jamais gravé en moi. Cette réussite, je la digérerai à vous. Avec toutes les langues, je vous dis merci, cher professeur. Et
premières assez ont eu avec leur maîtresse de danse, Madame Scheimer, l'idée de passer un message très profond à partir d'une danse. Je vous laisserai la découvrir. Votre patience est sans fin. Vous saviez nous apprendre le présent, le passé et les rendre vivants. Votre voix nous a guidés tout au long de l'année. Nous en sortions ravis. Pour tout ce que vous m'avez appris, je sais que ça n'a pas de prix. Je tiens à vous dire merci.